Hey Camille, il y a encore eu un débat super intéressant sur TPMP. Angèle relance le débat enflammé autour des poils chez les femmes. C'est pas une question d'esthétisme, c'est une question de... De quoi? De logique. Bah c'est logique, c'est une femme, elle a pas de poils. Une femme juste qui serait nature, elle serait comme ça. Et bah c'est moche. Et bah c'est moche. Si Mathieu et Jean-Michel ont dit que c'était moche, bon bah on s'incline, hein. Qu'est-ce que qu'on fasse? Personne ne trouve ça beau. Oh, bah on a encore un monsieur qui donne son avis. C'est pas parce qu'on dit qu'on aime pas les poils qu'on est sexiste, ça n'a rien à voir. Alors quand on dit qu'on aime pas les poils sur une femme, on est sexiste, ouais, ça n'a pas rien à voir. De pas avoir trop de ventre. Ça, c'est l'effort de Jean-Michel. Il y avait un débat après sur TPMP, c'est pensez-vous que les hommes devraient avoir du ventre? C'est vrai? Bah non, évidemment. Il a pas encore donné son avis, Jean-Marie Bigard. Si t'as une micro-bite et que tu te laisses pousser les poils, tu la vois plus. C'est peu touché, j'adore. Attends. Il y a Bigard qui fait une blague sur les poils pubiens, et dans la foulée, il y a Cyril Hanouna qui va toucher la coupe afro d'un mec noir dans le public. Alors, ça me rappelle le 8 mars avec Daniel. Mais dis-moi, tu reprendrais pas une petite bague de Bigard pour la honte? Tu sais pourquoi les Portugaises, elles pètent après la sodomie? Non, je veux bien qu'on arrête là.